Je vais t'aider à te relever. Hop là, allez debout. Mince, c'est mon allié. Excuse-moi. Attends, l'ennemi est un mage, mais elle vient de dégommer mon mec là. Eh hey, mon pote là, qu'est-ce que tu lui fais là? C'est pas... Hein? Non, tu tapes pas mes amis comme ça en fait, je sais pas pour qui tu te prends toi. Tu veux descendre, c'est ça? Pas de problème, je te lâche. Ah bah, faut savoir hein. C'est la sainte épée. Est-ce qu'on ne la mettrait pas on fire l'épée? Et salut tout le monde, c'est Bastrax, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Blade & Sorcery. Elle était bonne celle-là. Tiens, t'en veux un peu? Bah voilà, c'était délicieux. Par contre, d'où tu bouffes mes pommes? Bon, aujourd'hui les gars, on va éclater la porte d'une manière un peu différente. C'est lui qui va éclater la porte à notre place, les gars. Vous êtes prêts? Regardez, c'est pas compliqué. Bah voilà, parfaite cette ouverture. Ok, pour aujourd'hui les gars, c'est pas compliqué. On va se faire un donjon tranquille avec nos potes. Voilà, vous voyez, ils sont fidèles, ils disent rien. J'ai beau leur taper sur la gueule, ils s'en foutent. Regarde, je vais t'aider à te relever. Hop là, allez debout. Vous voyez, moi, mon pote, il me fait ça, c'est plus mon pote après. Bah elle, c'est toujours ma pote. Parce que ça, c'est des bons amis. Tiens, attends, en plus, t'as des trucs qui m'intéressent. Une petite épée sympa, là. Tu vois, je sors mon arme, elle sort son arme. Allez, pour te remercier de tes bons et loyaux services. Bon, sur ce, les gars, comme d'hab, deux étoiles partout, c'est parti. Ok, bon, qu'est-ce que j'ai comme arme? Ah, j'ai rien pris du tout. Ah bah, bah c'est pas grave, c'est le parfait moment pour invoquer des alliés. Du coup, bah attends, on va lui faire un pote à elle. Voilà. Ils sont pas beaux ensemble. Wouhou. Eh, faut que tu me défendes, hein. Ah mais je l'ai invoqué lui, je l'ai pas vu en fait. Et par contre je veux pas de mage. Voilà, t'as beau être mon pote, je tolère pas les mages. Peu importe leur équipe mon gars. Toi par contre t'essayes de m'agresser en douce là, hein. Voilà, il vole par dessus bord. Mais c'est mon allié. Excuse-moi. Attends mais ça veut dire qu'elle a poussé l'autre en bas par contre. Elle est où? Si je lui fais faire un vol. Oh, mais elle s'en relèvera pas dessus là. Attends, je vais chercher des armes. Celle-là, c'est un peu de la triche. Ah, voilà, parfait, une arme. Hop là. Calmez-vous. Ok. Tiens. Ah ah. T'as raté, mon gars. Qu'est-ce que tu me fais, là, toi? Qu'est-ce que tu fais? Attends, tu veux être ma pote? Ah, tu veux qu'on devienne pote? Y'a pas de... Attends. Voilà, maintenant, on est amis. Bon, je vais quand même embarquer une épée. Ça peut éventuellement un peu servir. Ça fait deux fois que je le rate. Je suis vraiment pas fort. Hein. Ah mais il se relève en plus. Mince. Voilà, c'est bon. Au bout du troisième coup d'épée, t'es parti. Oh, je vais essayer de sauter là-dessus. Du coup, à une main, comme ça. Et oui, mon gars, tu croyais faire quoi? Est-ce que je peux réussir à bien lui balancer dessus? Ok, ah c'est dommage, ça aurait été beau. Du coup, il y a personne assis. Voilà, allez, tiens, attrape. Oh, je suis si fort. Tiens, attrape celui-là aussi. Bon, moi, faut que je descende tranquillement. Tu le bats pour moi, hein? Ouais, c'est bien. Attends, l'ennemi est un mage, mais elle vient de dégommer mon mec, là. Eh hey, mon pote là, qu'est-ce que tu lui fais là? C'est pas... Hein? Non, tu tapes pas mes amis comme ça en fait, je sais pas pour qui tu te prends toi. T'es pas ma copine en fait, tu vois là. Donc je sais pas pourquoi tu te prends là, mais mes potes tu leur fais pas ça en fait, d'accord? Voilà, prends des petites claques un peu. Elle est malade celle-là. File-moi ta massue par contre, ça peut me servir éventuellement. Et plus jamais tu fais ça à mes potes hein. Il est où? Ah mais c'est qu'elle me l'a achevé quoi. Regarde, je vais en refaire un autre. Éclaireur s'il vous plaît, et dites-moi s'il y a du monde. Tiens. Mais j'ai réussi à... Ah mais t'es là. Ah, je veux pas vous mettre en bas. Vous voulez en haut. Voilà. Oh, ça de... Oh, la violence, du coup. Pas de mage, bordel. Toi aussi, par contre, tu tapes pas mon pote. Hein. J'aime pas les mages, mais c'est pas une raison pour le fracasser, le mec. Hein. Est-ce que je t'ai dit de te relever, toi? Je t'ai pas dit de te relever, il me semble. Bon, qu'est-ce que tu fais, alors? Ouh, mais... Mais c'est que t'écoutes rien, en plus. Mais toi non plus, t'écoutes que dalle. Voilà, on n'en parle plus. Là, je vais désactiver les mages. Voilà, normalement je vais pouvoir invoquer que des bandits qui attaquent au corps à corps, des vrais bonhommes quoi. Bonjour, enfin, je vois que vous êtes déjà deux. Oh, pff, ouais, ça avait l'air de faire mal ça un peu. Non, reste par terre par contre, faut pas que tu te relèves, c'est pas bien. Hop là, mais qu'est-ce que tu... Tiens, viens m'aider toi, tiens, vas-y, attaque là, voilà, prends-toi le coup à ma place. Pousse-toi. T'as vu, je t'ai sauvé la vie, je t'ai fait esquiver un coup, viol... Oh, mais... Comme ça on utilise la magie. Ah ouais, mais toi tu es...
Mais t'es complètement... Tiens, les sorcières, c'est au bûcher. Voilà. Ah, mais tu te relèves, toi ? Ah, vous avez déjà fait un peu de golf, les gars ? Bah, visiblement, c'est... En un coup, en un trou, parfait. Tu frappes qui, toi ? T'as pas les idées en place, hein, faut te les remettre un peu. Voilà, peut-être que ça va un peu mieux, là. Oh, je vais l'éclater. Oh, ça va pas marcher ! Allez, vol ! Toi aussi, voilà ! C'est ça qu'on aime ! Ah, merde, ils sont tous les deux morts. Oh, mince. Ah, c'est... Je suis désolé, les gars. Ah, va falloir que j'escalade. Pas de problème ! Olé ! Ça, c'était beau, les gars. Ok, qui... Une seule personne ? Pas de soucis, tu vas faire un vol plané. J'aime tellement faire ça, c'est épique. Tiens, file-moi ton bâton, ça peut servir. Merci, c'est bien aimable. Oulala, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de l'eau. Elle est vachement claire, l'eau. De toute façon, il y a des textures qui sont complètement buggées. Hein. Genre là, ça pourrait pas être aussi clair, on est d'accord. Enfin, je vais prendre un vase, parce que vous pouvez pas tester la puissance des vases. On va monter à la corde, à un bras, parce qu'on est des machines de guerre. Vous voyez, c'est rapide. Tiens, va là-bas, toi. Voilà, parfait. Bon, où qu'est-ce que c'est qu'ils sont, les ennemis ? Ah, il y en a un là-bas. Mais non, mais je voulais te mettre la tête dans le vase. Voilà, comme ça. Ça l'a tué ? Non. Oh, tu m'énerves. Ok, Jean-Paul ? Regarde-moi ! Regarde-moi dans... Je te parle. Regarde-moi ! Regarde-moi dans les yeux, là. Voilà, fixe-moi. Non. Ouh. Regarde-moi, tu vois ? Tu sais quoi ? Tu m'énerves. Mais pourtant, il lui avait volé dessus. C'est des choses qui arrivent après tout. Ok les gars, bon, bah, vous voyez, je suis là, je vais être gentil, je prends les gens, je leur fais des câlins. Je leur mets des petites claques de temps en temps quand ils font des bêtises, mais sinon, à part ça, voilà, je suis gentil. Je les fais retrouver leurs potes et en échange, je me prends des coups d'épée. Donc maintenant, la gentillesse, c'est terminé. Ok, j'ai complètement fourré mon coup. Je voulais les attraper les deux en même temps et les faire voler. J'ai complètement raté. Oh. Vous courez vite, hein. Ah, vous allez faire quoi, là ? Hein ? Venir me chercher dans mon arbre ? Ils sont où ? Si je tombe d'ici, je vais me faire mal, je pense. Il faut que j'arrive à retomber. Il faut que j'arrive à redescendre sans qu'ils m'attrapent en bas. Ok, là, c'est bien. Hop là ! Hey ! Raté ! Voilà, les grosses claques ! Eh oui, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et voilà. Je me suis débarrassé de vous en vitesse. C'est beau, hein. T'as lui, il est mort. Il s'est servi de son épée comme oreiller, quoi. Ça va, c'est confortable. Je te l'emprunte. Bon, tu vas lâcher ça de suite. Voilà, je t'avais dit que tu la lâcherais. Voilà, c'est bien. Allez, va-t'en. Oh. Est-ce que j'irai pas foutre des claques à ses potes avec sa propre main, quoi, tu vois. Attends, avant toute chose, qu'est-ce que c'est ton nom? Ok. Ok, Roger. Salut! Ok, j'ai un problème avec mon bras là, il veut plus s'en aller. Ah d'accord, ok. La main a disparu. Putain, je voulais te mettre donner un coup de main. Ah non, elle est tombée là-bas, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là du coup, je suis... Il se prend des claques par l'homme invisible en plus. Attends, mais... Tiens, je t'aide à tomber moi! Toi aussi! Encore? Tiens! Qu'est-ce que tu fais, toi? T'es tranquille, reste calme. Ça va aller. Bon, visiblement, vous êtes un peu empoté. Allez, je m'occupe de vous. Ah, c'était un bel échauffement. Hop, je récupère juste ces deux épées. Voilà. Avec ceci, le gourdin. Merci. Allez, je vais casser des têtes maintenant. Salut, mon ami, comment ça va? Tu me vois pas? Attends, je vais t'aider à me voir. Ah, tu l'as pas vu arriver celui-là non plus, hein? Non, tu restes ici, tu bouges pas. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit quoi? Non, 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 tu restes ici, tu vas pas bouger. Oh non, tu vas rester. Je dis quoi? Tu restes là! Mais bordel! Pourquoi ils m'écoutent jamais aussi? Puis là, moi, je leur donne des conseils, je leur dis tu restes là, tu bouges pas, je te ferai pas de mal, bla bla bla, et ils m'écoutent pas. Ouais, voilà ce qui arrive. Merde, c'était pas une épée. Elle a dit I kill you, là. Tu vas kill qui? Hein? Tu as kill personne, ma grosse. Et elle est morte en position faite bizarre, quoi. Est-ce que quelqu'un va faire un vol plané de ma part? Ah non. Si. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait comme ça, désarmé, là? Hop là, regarde ton épée, où est-ce qu'elle va?
Tu vas où? Tu vas où? Tu crois que je te vois pas aller chercher une arme en douce? Tu me tirais dessus? Vas-y. Vas-y, tire-moi dessus. Vas-y, tire. Allez. Tu veux descendre, c'est ça? Pas de problème, je te lâche. Ah bah, faut savoir. Hein. Vous êtes difficile aussi. Hein. Ok, on va essayer de lui faire un petit move stylé. J'ai tapé le mur en fait, j'ai fait comme ça quoi. Ah c'est dommage parce que c'était si beau. Qu'est-ce que tu fais? Tu es le concul de ta pote toi? Tiens regarde, elle te met des coups de boule. Attends, on va voir là-bas si j'y suis. Toi tu restes couché, voilà, grosse claque. Bam, gros coup de bâton dans ta tronche. Maintenant tu retournes en bas. Je l'ai pas dit là, j'ai dit en bas. Elle veut pas y aller. Ah mais c'est que tu t'es coincé la cheville. Voilà, suffisait de le dire. Allez descends. Vous voyez que je suis généreux, je débloque les gens. Hop là. Ouais, fallait mieux regarder. Ah, je me disais bien que j'avais entendu un autre bruit. Qu'est-ce que tu fais avec ta main dans le dos? Attends, il a sa hache ici, là. Oh! Doucement, calme-toi avec ta hache foireuse, là. Ah, mais c'est que t'es encore debout, toi. Mais t'es costaud, hein. Bah, attends, mais oui, mais qu'est-ce que tu croyais? Te relève pas, c'est un conseil. Je te l'avais pourtant conseillé. Ouf! Elle s'est empalée dans les trucs. Enfin, là, y a pas l'animation, mais sinon, elle se serait bien empalée dedans, quoi. Approximately 10 hours later. Excuse-moi, je cherche le marchand de pommes de terre. Tu l'aurais pas vu par hasard? Non, ici vous vendez que des champignons, d'accord. Bah, c'est pas ça qui m'intéresse. Bon, bah, désolé en tout cas du dérangement. Oh, elle est magnifique sous cette pose comme ça. Là, elle fait la petite pose tranquille, la belle, sous la petite belle vision, tout ça, tout ça. Incroyable. Oh, pff. Ah oui, là, je t'ai planté le bras, là, ça doit piquer un peu. Ouais. Ah, bah, t'en as lâché ton arme. Ah bah là c'est dans les jambes. Attends, je suis là dans le cou. Ah. Mais arrête de me fuir. Voilà, je l'avais dit dans le cou. Ouh, t'as l'air énervé toi. Je vais te boxer toi. Toi je. Oh. Eh oui, qu'est-ce que tu veux faire avec ta hache? Hein? Tu t'es pris pour un bûcheron quoi? Voilà. Ah mais du coup j'ai balancé mon gourdin, je l'ai pas récupéré. Ça va fighter sévère ici. Ah c'est le moment où une musique épique et ça part. Ok, bon, visiblement je l'aurais fait légèrement mal. Je sais, je suis fort. Comment ça, ils sont juste nuls? Ah non, je refuse de le croire ça. Comment ça, cette porte elle est fermée? Ça aussi, je refuse de le croire. Oh, je suis trop petit. Non, c'est bon. J'ai oublié de manger de la soupe, moi. Il y en a un qui court, là. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas morte? Bah maintenant, tu l'es, mais fallait rester caché, je sais pas. Fais, sauve ta vie, fais quelque chose un peu. Hein, Gertrude? Je dois aller par où, là? Je peux y aller là-bas, d'ailleurs? Bon, je pense pas, c'est trop foireux pour qu'on puisse y aller. Là, il y a un mur invisible, les gars. Ouais, bon, visiblement, c'est pas par là qu'il faut aller, quoi qu'il arrive. Non, je vais pas sauter par là non plus, mauvaise idée. Je voulais, mais quoique au ralenti, mes dégâts de chute sont réduits, non? Ou alors avec la gravité. Je sais plus comment ça marche, mais avec la gravité, je sais qu'on peut réduire nos chutes. Bon, allez, on va se tenter ce saut magnifique. Si je meurs là, je pète un câble. Oh, mais c'est incroyable, en fait. Je vole carrément. Ah! Mais c'est génial! Pourquoi j'utilise jamais ce sort, moi, de gravité? Il est fou! Hop là, je prends ça au passage. Éventuellement, ça pourrait me servir. Une épée posée au pied de la statue, c'est forcément un signe. C'est la sainte épée. La sainte épée, elle m'a l'air... En fait, là, vous voyez pas, mais... Je bouge mes bras de la même manière, ok? La sainte épée, elle reste de marbre, c'est le cas de le dire. Je peux rien faire avec. Ok, bon. Bon, bah du coup, la sainte épée, elle est trop... Ah même à deux mains. Attends, est-ce que si je la mets sur un bord et que je m'appuie sur mon bras? Ah non, elle veut. Ok, bon, bah la sainte épée, elle restera droite comme ça toute sa vie.
Attends, on va voir si on peut planter quelqu'un comme ça. Par contre, il faut forcément qu'il soit de ce côté-là. Donc c'est à moi de me débrouiller pour me mettre derrière la personne. Ok, toi t'es ma cible. Ah oui! Oui, 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 avec la sainte épée! Oh oui, le deuxième! Attends, faut que je te place bien. Non, raté. Incroyable! Je vais quand même en prendre une légèrement plus maniable. Voilà. Est-ce qu'on ne la mettrait pas on fire, l'épée? Ah bah oui, ça doit faire un peu mal. Je te comprends, t'inquiète pas, y a pas de problème. Oh mais non, mais j'en ai marre de faire des grosses bastons, les gars. Je bug, mon PC il en peut plus, il va péter un jour. Un jour ça va crash, je vais avoir un écran bleu, je vais pas comprendre. Toi, t'es mort. Allez, on va se finir ça en speed. Toi, va voir là-bas si j'y suis. Allez, toi, c'est pareil. Pas de jaloux, l'archer. Tu as pas l'impression qu'il va t'arriver des bricoles, toi. T'as pas l'impression que... T'es en train de faire n'importe quoi, par hasard, hein. Je dis ça comme ça, c'est juste une question, hein. Vous voyez comment je rame? Je sais pas si ça se voit, la vidéo. J'ai l'impression d'être au ralenti. Je pense que ça me met automatiquement au ralenti. Attends, elle venait d'où, cette flèche-là? C'est qui le traître parmi vous, là? Toi, déjà, tu l'as... D'où tu survis? Voilà. Toi, pas de magie. Toi, t'as un arc. Et toi... C'est le bonus. Ah, ouais, ça te fait un deuxième... hein, on dira pas le terme. Tiens, prends cette claque, toi. Ils sont combien? 4? Allez, au chauve. Pourtant, je suis de ton côté, je suis quasiment chauve aussi, mais désolé, frérot. T'étais le premier à porter un peu facile, tu vois. Pourquoi 4? Venez comme des bonhommes, hein. 1v1, là. 1 contre 1. C'est toi qui veux y aller? Voilà, il voulait sauver sa femme, c'est mignon. Mais bon, elle y est quand même passée, quoi qu'il arrive. Et regarde, on va jouer à un jeu, attrape. Hey, allez, je te remercie. Toi aussi, tu vas y passer. Ouh, mais qu'est-ce que je vois là? Mais c'est un arc! Tiens, t'es embroché dans le mur. Ah, la deuxième épée, elle t'a frappé alors que j'ai même pas voulu le faire, tu vois. Lâche ton épée. Lâche ton épée. Ah d'accord, je l'ai tué. Bah je voulais juste que tu lâches ton épée à la base. Je suis l'homme aux 10 000 épées, les gars. Bah, du coup, en fait, j'ai laissé tomber le concept d'invoquer les alliés. Je ramais beaucoup trop. Je me rappelle d'une fois où j'ai voulu sauter par là et où je suis malencontreusement décédé. Où je ne recommencerai plus mes aventures. Oh, oui! Ça faisait je sais pas combien de temps que j'avais pas joué à Blade. Et dès le deuxième essai, paf! 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 Et... Ah bah d'accord, elles sont toutes tombées. Bon, allez! Les épées à la mer. Ah bah non. Oh, c'était ridicule. Ça, c'est pour les futurs archéologues. Ça, ils retrouveront des épées dans l'eau. Ils se diront « Waouh, mais c'était sûrement une épée magique, incroyable. Elle appartenait à un mec incroyable qui devait sûrement s'appeler le j'en sais rien. » Ah, j'ai encore raté mon... Non, c'est bon, elle dans l'eau. Bon, et ben voilà. Sur ce succès du donjon, les amis. Tiens, je vais vous faire l'outro en escaladant. Bah, du coup, voilà. C'était Blastrax, les gars. J'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner. Hein. Je vous dis à la prochaine. Et si vous avez des idées de défis à faire ou quoi que ce soit, n'hésitez. Surtout pas, même si je rame, c'est pas grave. Tiens, je vais m'attraper au gros truc. Wouh! Wouh! Je sais plus si c'est des stalactites ou des stalagmites. Oh! J'ai failli tomber, mais dans la vraie vie. Wow, 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 je perds l'équilibre là. Oula, mais qu'est-ce qui se passe? Ok, ok, le fait d'être en hauteur, en fait, ça trompe ma teuté là. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à atteindre celui-là? Oh, le risque. Bon, allez, les gars, sur ce, je vous dis ciao! Oh, bah, visiblement. J'ai pas résisté. Eh oui, mon gars, ça a l'air de faire un peu mal. T'inquiète pas, tu souffriras plus. Jusqu'au prochain épisode.